bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. It's your boy Angel. Et je vais vous donner les 10 clés pour atteindre son plein potentiel. Alors, 10 clés si tu veux atteindre ton plein potentiel. J'espère que tu vas utiliser ces 10 clés-là pour atteindre ton plein potentiel. La première clé, c'est que tu dois savoir ce que tu veux. Oui, tu dois savoir ce que tu veux. Ça, c'est la première chose. C'est important. Je rencontre pas mal de personnes. Je consulte pas mal de personnes. Et quand je leur pose la question, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ils n'ont aucune idée, en fait. En fait, ils ont des réponses générales, des réponses très vagues. Je veux ceci. Non, tu dois savoir ce que tu veux. La raison pour laquelle tu acceptes tout ce qui arrive, tu acceptes seulement tout ce qui vient, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Alors, tu ne sais pas quoi refuser. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour ton mariage? Qu'est-ce que tu veux pour ton relationnel? Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Pour ta santé, qu'est-ce que tu veux? Pour ta situation financière, combien d'argent voudrais-tu gagner? Ne me dis pas seulement je veux devenir riche. Devenir riche, ce n'est pas un objectif. Et c'est quoi ta situation exactement? Tu voudrais qu'il arrive quoi? Ta situation financière, c'est quoi? C'est important de savoir ce que tu veux. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas prendre tout ce qui vient à côté. Comment veux-tu vivre? Dans quel cadre veux-tu vivre? Tu dois le savoir, c'est important. Alors, on ne se lève pas un matin seulement comme ça par accident, puis on sait automatiquement qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Non, tu dois écrire le même, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est important pour toi. Alors, ce qui est important dans la vie de toute une personne, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut. Parce que dès que tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais où tu vas. Tu sais qui tu as besoin à côté de toi. Quand tu sais où tu vas, tu sais qui tu as besoin à côté de toi. Tu ne vas pas rentrer dans des relations bizarres parce que tu sais ce que tu veux. Alors, je t'encourage à savoir ce que tu veux. Écris ce que tu veux, c'est important. Là, certaines personnes me posent la question, pourquoi quand je parle, j'ai autant de passion? C'est parce que je parle de ma vie, Et je n'ai pas honte de parler de ma vie, je n'ai pas peur de parler de mes passions, parce que je sais exactement ce que je veux. Avec tout ce que j'ai pu traverser, je sais ce que je veux. Écoute, plus jeune, j'ai dû vendre du pain avec des œufs sur un soleil frappant fort pour avoir de l'argent de poche. C'est pour ça que je ne peux pas m'amuser avec mon temps. Mon père dormait sur des cartons pour nourrir sa famille. C'est pour ça que je ne peux pas m'amuser parce que je sais ce que je veux. Il n'y a aucune excuse que tu peux avoir justement pour ne pas vivre ton plein potentiel. Aucune. J'ai dit zéro. Il n'y a aucune excuse que tu peux avoir pour ne pas vivre ton plein potentiel. Alors tu dois savoir ce que tu veux. Et une fois que tu sais ce que tu veux, tu dois passer tous les jours de ta vie à travailler pour ça. Tous les jours, jour et nuit, tu dois travailler, passer tout ton temps à travailler pour ce que tu veux. Pour atteindre ton plein potentiel. Parce que si tu ne fais pas ce que tu aimes dans la vie, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu fais même quoi sur la terre? Si tu ne fais pas ce que tu aimes, tu es en train de perdre ton temps. Alors, c'est important pour toi de savoir ce que tu veux. Ne te limite pas seulement à ton petit confort que tu peux avoir chez toi. Oh, tu as un petit confort, tu veux rester chez toi. Hey, laisse-moi te dire que la vie évolue. Alors, si tu restes dans ton petit confort, là, dans quelques années, tu vas voir que ce ne sera plus suffisant. Et tu seras dépassé par ce qui n'avance pas, recul. Alors, le premier point, c'est que tu dois savoir ce que tu veux. C'est important. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vais te donner les autres points. C'était Angel King, ton motivateur personnel.